Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tomb Raider. Donc on s'est arrêté juste ici, là on a la vidéo numéro 3. On s'est arrêté juste après avoir fini le tombeau. Après le tombeau de l'aventurière. Voilà. On dépose. Voilà. Certes, ça rapporte que de l'XP, d'accord. Ah, c'est quoi ça? D'accord. C'était une petite quête. Une petite quête annexe. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Avant que je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non, tu restes là. Tu restes. Putain. Il se casse. Allez, celui-là. 150. On est déjà 240. Si ce n'est pas magique. À feu, cool. Ouais, je suis pas encore niveau. Pas encore niveau, pas encore niveau. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui pourrait me servir de manivelle? D'accord, on avait dû le piolet maintenant. Voilà. En fait, il était obligé, quoi, le... On était obligé de l'avoir, le petit donjon. Mais pourquoi des naufragés se mettraient-ils à vénérer une ancienne déesse? Voilà. Expérience survie. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les caches de nourriture. Cool. Voilà. Ah. Prête pour faire un essai? Ok, je suis prête, docteur. C'est comme vous voulez. Tiens, 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 un petit coffre. Allez, on ouvre. Voilà. Nouvelle amélioration disponible? Déjà? Bah putain, va vite. Ah d'accord, en fait je peux... Non, je suis pas supposé avoir autant, je crois. Alors, ça c'est bon. On va essayer les trois tenues. Merde, je crois que j'ai pas validé. On va regarder un peu ça, hein, vu que ce qu'il y a. D'abord, alors, tige renforcée. Voilà.
Non, c'est les bas. J'ai plus que 5, et ben ça descend vite quand même. Ah, ça c'est bon. Ça je veux. Lance pas la touche. Pourquoi il met sa main? Figure féminine sur le portail. Étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Himiko, j'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Ah oui, tu l'as dit. Mais non, on sait que tu arriveras à survivre. Sinon, comment tu ferais pour être là pour le prochain opus? Incroyable. Enfin, les précédents. Bien, Himiko. Regardez, le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non. Non. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Non, ne leur résistez pas, Lara. Faites ce qu'ils demandent. Daimne Pistaler. Иди. Пошла. Et qui êtes-vous, enfin? Qu'est-ce que Тихо! Vous... Lara! Allons nous послушать, мочи! Leur faites pas de mal, je vous en prie! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Lâchez-la! Lâchez-la! Lara, cours! Non! Non! Окружите! Окружите! Только попробуй рыбу. Allez, allez, il faut se dépêcher. C'est qui vient de se faire buter comme un con là? Désolé. Ah non. Je suis mort. Mon pot de sang. Wow. Veuillez attendre, s'il vous plaît, je reviens. Me revoici. En fait, je pensais qu'il y avait un problème, mais non, c'est parce que je pouvais pas tourner avec ma souris. C'est quoi ce bordel encore? C'est quoi ce bug? Attendez, attendez, attendez. Je vais reprendre depuis le dernier pot de contrôle parce que j'ai fait bugger le jeu, je crois. Et amène la prisonnière. Fais pas de bruit. On occupe. Bien sûr, tu nous attaques à des piques. Voilà ici. Flûte. Je pensais qu'on pouvait l'avoir, mais non. Oh mon Dieu.
Ouh là là. Faire attention. Ouh là là, c'était chaud. От меня не уйдешь. Эй ты, выходи давай. Лучше не зли меня. Я всех тебя. Ah, fuck. Merde, j'appuie sur la mauvaise touche. Выходи давай. Лучше не зли меня. Я всех тебя. Она тоже была порадочной стервой. Putain, je viens de bouffer une oreille quoi. Ok, j'ai perdu un œil. Oh, c'est quoi ce bordel, je fais de la merde. Désolé hein, je sais pas pourquoi je fais de la merde comme ça. Ah non mais vas-y, putain c'est F. Pourquoi je fais E moi, c'est F. Désolé pour les enchaînements, tu fail. Ah, ça m'énerve. Она тоже была порадочной стервой. Allez, 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 encore envie alors que c'est fini de se faire transpercer le cerveau. Là, ils sont où les autres? Cool, pistolet semi-automatique. Là-bas, là-bas. Ah, y a quelque chose ici, je crois. Ah, je peux pas y accéder encore. Ah, re-y accéder, je vous dis. On va utiliser tout le temps ça parce que c'est très utile. Il faut des balles, il faut des balles. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, apprendre à viser, bordel. Voilà, il faut que je m'y réhabitue un peu.
Alors. Ok, ça, de toute façon, il n'y a que du temps de 8 mm. Je peux pas mettre un accessoire? C'est un silencieux normalement. Ah oui, il faut toujours regarder dans le paysage. Allez, 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 hop là. Eh merde. Hop, on se dépêche. Alors. D'accord. Voilà. D'accord. Le tir chargé. What the fuck? C'était où je devais aller? Donc, à ce que je vois, on aura un camp de base. C'est juste. Il faut que je m'accroche ici. D'accord. Je pensais que je devais. Allez, ah voilà. Voilà. Continuez votre ascension pour rejoindre Worf. Voilà. Fouillons ça. Rien. D'accord. Bon, maintenant, bon, on va monter. Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon dieu, Ross. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligé d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Si on peut sauter comme ça, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Passage secret ? Passage secret. Alors. Temple de montagne, carte trouvée, emplacement. Ah cool, l'emplacement des trésors. Camp de voyage rapide, carte trésor. Géocache. Géocache. D'accord, relique. Ok, bon, d'accord, d'accord. Putain, fuck, il faut du feu, il faut du feu. Comment je peux faire du feu? Comment je peux faire du feu? Je peux pas. Ah, je peux pas. Ah putain, j'ai pas de feu. Faudrait que je revienne, on dirait. Peut-être qu'après j'aurai du feu là. Déjà, du feu campage. C'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. D'accord. Je suis vraiment là. En off, je ferai sûrement les autres zones à 100%. Ça ne sert à rien. Je ne
Pasque et de lui le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu, faites qu'ils n'aient rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross. Et trouver un moyen de rentrer à la maison. D'accord, maintenant je sais comment mettre un silencieux. Voilà. Alors, en même temps, on va regarder la carte. Je suis ici, donc il n'y a pas loin, j'ai un cache. Le bla. Ah, désolé, je reviens. Oh là, désolé, il y avait un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé. Qui voulait qu'on les trouve ? C'est pas par là en tout cas. Excusez-moi. Excusez-moi, mais revoici. Désolé, je suis un petit peu enrhumé aussi. Donc, où en étions-nous ? On était là. Bon, là-bas, passage secret, ça se voit. Bah, par ici, quoi. Plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre. Je savais que nous n'y parviendrions pas. Comme la première fois, une tempête s'est levée de manière inexplicable. Les vents se sont déchaînés, suivis d'une vague incroyable. Notre canot de sauvetage a été projeté contre les falaises tel un vulgaire jouet. Nous comptons deux morts et un blessé, sans espoir de guérison. Les autres commencent à paniquer, et ils attendent que je trouve un plan. J'en ai un, mais il ne les concerne pas. Ils sont faibles et stupides. C'est un handicap sur cette île. Je leur ai suggéré de tenter une nouvelle fois de prendre le large, mais je n'irai pas avec eux. Ce serait du suicide. Cela ne fait plus aucun doute. D'accord, 25 juillet 1980. Attends, c'est quoi en dessous là? Un géocache quelque part, un géocache ou ça? Il y a un géocache. Géocache, pas loin. Au-dessus peut-être. Ah, ouais, sûrement. Allez, on va monter. Faire diversion utilisée si jamais à proximité des ennemis. Apparemment, un petit groupe a réussi à fuir vers la forêt. On va avoir droit à une petite partie de chasse. Non, je crois pas. T'as entendu? Je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est? Oh merde! Casse-toi, tu reviens. Oh mais bordel, j'ai pas visé ou quoi? Voilà. On fouille. Ah, en dessous là, des plantes. Toujours prendre tout ce qu'il faut. Alors, ici, géocache. Y'a quoi? D'accord, en dessous c'est la relique, à côté c'est relique, et là c'est un document. D'accord, on va monter d'abord. Et ensuite on arrêtera cette vidéo ici. Tiens, je peux monter là-haut? Eh ouais. Trésor, trésor. Allez, 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 voilà. Il y avait un coffre ici.
Voilà. En fait, je suis même pas passé par la façon convenable, quoi. Moi, je fais pas comme les autres, biatch. Ouais, donc désolé, j'ai un petit rhume. On va essayer de voir si on peut passer. Ah fuck. Y'a rien ici. Enfin, je sais y'a ça mais... Comment je te le fais ça hein? Ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. C'est pas pour maintenant on va dire. Ah, elle est classe la Warcraft. Alors objectif. Comment je vois mes objectifs? Continuez votre ascension pour rejoindre. D'accord. Bon, l'ascension il faut remonter tout en haut quoi. Allez on y va. Est-ce que je peux passer par ici? Je peux juste ici alors. Hop. Quand à l'envers, tu vas sur la tire à l'envers, le révéleur. Alors, là y a rien, c'est bon. Voilà. Oh putain, ils sont là. Ah oh 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 punaise. On prend ceci, ça donne des matériaux et en même temps de l'XP. Enfin pas de l'XP des flèches quand on en a plus. Alors allez va. Quand nous sommes échoués sur l'île, la pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant des jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger, comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. C'est le journal d'un certain Nicolai, l'un des survivants de cette île. Il y mentionne un père Mathias. Est-ce le même Mathias que j'ai rencontré? Ah ah ah, bonne question! Bonne question, mon cher. Modèle débloqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'essaierai de voir ça plus tard. Je peux y arriver. Oui, tu peux le faire. Allez, hop.
Allez, plus vite que ça. Elle est puissante l'arme pour faire ça, quoi. Voilà. On va continuer à avancer un petit peu. Ensuite, on s'arrêtera. T'es en train de chasser. Le sac est là-haut, quelque part. Et sauf que nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était Just Dead pour la chaîne du Bon HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.